reviens sur le cours de la semaine dernière, sur mai 68. Donc on avait vu que c'était une révolte étudiante qui s'est propagée rapidement dans la France, donc par le biais de la télévision, l'ORTF. Ah, c'était nouveau, mais ça a permis de... Fred, ça va? Tu peux faire partager ton point de vue à tout le monde, puisque... C'est n'importe quoi. À la télé, on est manipulé par les médias. Les médias, ils racontent n'importe quoi. Toi, tu penses que l'Internet, c'est la vérité? Tout ce qui est écrit par n'importe qui sur Internet, c'est la vérité, par rapport à un journaliste? Sur Internet, il n'y a rien qui est censuré. Tout le monde peut donner son avis. Et je pense que les informations sont plus vraies qu'à dans les médias. Que tout le monde qui donne son avis, c'est plus fiable c'est pour que les vieux journaliste qui a fait des études. C'est pour les vieux, mais dans la télé. Voilà, non? C'est pour les vieux, mais dans la télé. Bon, mais si tu veux, après... bon, c'est dommage, ça sonne, là, parce que le débat est lancé, c'est bien. On y reviendra la prochaine fois, où ça peut faire l'objet d'un café philo, c'est très bien. Donc la prochaine fois, vous ramenez bien vos affaires, puisqu'on continue sur mai 68. Allez, bonne journée, à la semaine prochaine. Je voulais savoir si tu étais disponible ce week-end. Bah ouais, peut-être, pourquoi? Pour réviser, parce qu'en ce moment je révise pas trop et c'est difficile. Ce serait bien de réviser ensemble. Bah ouais, pourquoi? Salut. Ça va? Ça va. Je suis dégoûtée pour ce qui s'est passé pour Elodie. Ouais, il faut que ça bouge. Ouais, il faudrait faire un truc, mais tu veux qu'on fasse quoi? Je pense à une pétition. Pétition? Mmh. Ça marche jamais, ces trucs. Sinon, on pourrait essayer peut-être un blocus ou une manif. C'est violent comme un blocus, quoi. Ouais, mais on peut essayer de faire quelque chose de calme. Mais j'y pense. Il y a mon pote Fred, là. Il a fait un truc du genre. C'est vrai? On pourrait peut-être lui demander de nous aider. Parce que moi, je sais pas comment ça s'organise. En tout cas, je pense que ça ferait super plaisir à Elodie qu'elle sache qu'on a fait quelque chose pour elle. Ouais, ça serait super sympa, quoi. Personne n'en sort. On réunit un maximum de monde devant. Il faut faire un maximum de bordel, les gars. Faut que tout le monde s'en rappelle ce jour-là. Je veux vraiment que tout le monde soit là, au taquet, devant le lycée. D'accord? C'est pour tout le monde qu'on se bat ici. Ouais. Mais attends, Fred, on avait dit qu'on faisait ça pour Elodie, non? Si on fait bordel au blocus, on va juste faire passer pour des cons. Le passage piéton, c'est qu'un détail. De quoi c'est qu'un détail? Maintenant, si tu n'es pas content, ici, il n'y a pas de Ganji. Tu prends tes affaires et tu te casses. Vas-y, casse-toi. La retiens pas, on n'a pas besoin d'elle. Non, tu es avec nous ou pas? Pas de négociation, on va les faire plier. On va les faire plier. Thomas, approche. Prends le mégaphone. Encouragez-le. Ouais, Thomas.